Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique. Je le dis juste pour vous rassurer, mais moi j'aime toujours dire bienvenue dans cette ambassade plénipotentiaire et extraordinaire du gouvernement des cieux. Nous sommes une représentation diplomatique du royaume des cieux. Nous ne sommes pas une bande de religieux perdus quelque part au Congo-Brazzaville en train d'essayer de se débattre pour chanter jamais. Nous sommes des ambassadeurs en mission diplomatique. Actuellement, nous sommes au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Et c'est notre responsabilité d'amener la domination de Christ sur ce pays. Et ce n'est qu'une question de temps. Chaque jour, quand on veut changer un pays, on ne le change pas en une fois. C'est une personne à la fois, c'est un jour à la fois. Voilà pourquoi Jésus a dit « à chaque jour suffit sa peine ». On ne travaille pas en vain, on ne prie pas en vain, c'est faux. Pour faire avancer le règne de Dieu, on le fait avancer par la prière. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine de prière et de jeûne que nous avons complété vendredi. Nous sommes reconnaissants. Il nous a rendus capables et nous a fait du bien. Il a parlé à nos cœurs, il a vivifié nos âmes, il a renouvelé. Ça a été une semaine de rafraîchissement. Nous sommes reconnaissants. C'est parce que tu n'étais pas là que tu n'es pas en train de rendre grâce à Dieu. Non, nous sommes reconnaissants parce que Dieu nous a soutenus, Dieu nous a maintenus, Dieu nous a fortifiés par sa grâce. Nous le bénissons, nous le célébrons. Gloire soit rendue à notre Père. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur. Si tu es d'accord avec cela, donne un bon Amen. Rendre grâce à Dieu parce que c'est poussé par l'Esprit que nous prions. Toutes les fois que Dieu nous appelle à prier, il nous apprend à la conquérir. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Le pasteur Anissé vous l'a dit le vendredi. Nous allons sur instruction du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Sur instruction du Seigneur, nous allons donc intensifier notre semaine pendant 3 semaines. À partir de demain, pendant 3 semaines, nous allons intensifier le matin, le midi et en fin d'après-midi de 17h à 18h. Nous allons intensifier la prière. Dieu nous a dit d'intensifier les temps de prière en faveur de l'expansion du royaume de Dieu. Je vous dis que ce pays est le pays où Dieu règne. Il y en a qui regardent le pays et disent « Oh, le pays est perdu ». Moi, je regarde le pays, je dis « Waouh, le pays va changer, il est en train de changer ». On n'a pas la même manière de voir les choses. Pardonnez-moi pour ma foi, mais en vérité, je ne m'excuse pas. Je dis ce que j'entends de la part de Dieu et je le proclame. Ne comptez pas sur moi pour être quelqu'un de pessimiste ou de découragé. Jamais je ne suis découragé. Quand je me sens découragé, je me réfugie dans sa présence et là, il me refortifie, il me renouvelle. Quelqu'un dit un bon « Amen ». Donc pendant 3 semaines, dis avec moi 3 semaines, jusqu'à la fin du mois de juillet, nous allons intensifier par 3 temps de prière, 3 moments de prière par jour. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas le ministère de l'intercession, de la prière qui ont prière, mais c'est toutes les églises qui ont prière. Le matin de 6h à 7h, le midi de 12h15 à 13h15 comme on le fait toujours, et le soir de 17h à 18h parce que nous n'allons pas arrêter les programmes de formation, etc. Donc de 17h à 18h, nous serons là. Si on est 2, on priera. Si on est 5, on priera. Si on est 50, on priera. Si on est 100, on priera. Ce n'est pas tellement le nombre qui fait la différence quand il faut prier, mon ami. C'est la foi qui fait la différence quand il faut prier. Quelqu'un me dit « Amen ». Ne cherche pas à prier avec un peureux qui a peur de prier. Mon ami, moi j'aime prier avec des soldats, des vaillants hommes. Et quand nous allons prier, t'inquiète pas, le ciel nous soutient déjà. La grâce de Dieu nous soutient déjà, elle nous soutiendra déjà. On a prié et elle se maintiendra. C'est l'heure où Dieu appelle les ouvriers. Mon ami, si tu es étudiant, tu viens prier. Quelles que soient les heures, tu viens prier. Ceux qui ne travaillent pas, viens prier. Travaille pour les intérêts du royaume. Parce que quand tu travailles pour les intérêts du royaume, le royaume va travailler pour tes intérêts. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas constants, ne sont pas réguliers. Personne n'a jamais réussi sans manifester ce qu'on appelle l'endurance. Dis avec moi l'endurance. Il y en a un qui essaye. Misérable. L'endurance, on va jusqu'au bout. Non, je n'ai pas dit misérable. Pour toi, c'est ton voisin. Toi, tu es bien. Je parle à ton voisin. Toi, tu peux sourire. C'est ton voisin là qui a des problèmes d'endurance. Il lui dit de ne jamais se relâcher dans la prière. Le Congo appartient à Christ. Le Congo est notre héritage. Le Congo est notre héritage. Le règne de Dieu, c'est la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, ce n'est pas d'abord tes besoins, c'est d'abord son règne. Et quand tu t'occupes de son règne, il s'occupe de tes besoins. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Et il faut persévérer dans la prière. Donc nous allons intensifier. Nous allons prier pour Brazzaville. C'est la capitale du pays. Toutes les fois qu'on veut prendre un pays, on prend d'abord la capitale. Est-ce que tu le sais? On prend d'abord la capitale. C'est la capitale qu'on décide, qu'on établit les stratégies, les décisions. Tout vient de la capitale. Quand il faut conquérir le Congo pour Jésus-Christ,
Il faut qu'on crie par la prière et on priera pour cette, pendant les 3 semaines. On priera pour la capitale. Que le règne de Dieu s'établisse sur Brazzaville. T'inquiète pas. Le reste, on va parler après. Mais quand Brazzaville est gagné à Christ, alors t'inquiète. On priera aussi pour la croisade qui vient le mois d'août. La grande croisade d'évangélisation. Dis-moi un bon amen. Nous allons combiner les deux. Nous prions pour la croissance surnaturelle de l'Église. Nous prions pour l'avancement du règne de Dieu. Ici à Brazzaville en particulier. Dans tout Brazzaville. Un jour, tout Brazzaville. Presque tout Brazzaville. Ça assemblera. Un jour. Je n'ai pas dit c'est maintenant. J'ai dit c'est un jour. Je ne sais pas dans combien de temps. Mais ça se fera. Mes yeux verront ce que je suis en train de vous dire. Mes yeux verront ce que je suis en train de vous dire. C'est notre responsabilité de prier pour que le règne de Dieu soit établi dans la ville. Établi dans le pays. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Rappelez-vous de ce que le Seigneur nous dit toujours. Il a dit dans Jérémie chapitre 29, je crois, au verset 7. Il dit, priez pour la ville. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai transporté, où je vous ai établi. Priez pour le bien-être de la ville, car son bien-être, votre bien-être à vous dépend du bien-être de la ville et du pays sur lequel Dieu nous a plantés. Notre bien-être dépend du bien-être de cette ville et de ce pays de manière générale. Et qui doit prier? C'est les justes. Ce sont ceux, les enfants de Dieu. Les autres ne peuvent pas prier. Quand ils prient, ils disent des bêtises. Nous on prie. Dis avec moi, il faut prier. Celui qui ne prie pas pour le bien-être de sa vie, de son pays, est responsable du malheur de son pays. Donc c'est bien de me regarder avec les gros yeux. Je ne parle pas à toi, je parle à ton voisin. Mais c'est mieux de prier. Et non seulement on va prier, mais en même temps on va évangéliser. De toute manière, le but de la prière, je te le répète, c'est de faire avancer le règne de Dieu. Le règne de Dieu avance quand les âmes sont gagnées, quand les âmes sont transformées. S'il n'y a pas d'âme gagnée, mon ami, le règne de Dieu n'avance pas. Les ténèbres reculent parce que la lumière avance. La lumière, là, c'est les âmes qui sont gagnées, qui sont éclairées. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Alors, est-ce que le ciel peut compter sur toi? Est-ce que le Père peut compter sur toi? Même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas un problème. D'autres, Dieu va susciter d'autres personnes. Moi, j'ai toujours dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas tributaire d'une personne. Si tu n'as pas envie d'obéir, quelqu'un d'autre obéira. Voilà pourquoi il a suscité des gens comme nous, par la grâce de Dieu. Nous ne sommes rien, mais nous aimons Dieu, nous voulons obéir à Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Voilà, moi je commence par les annonces. Deuxième chose, nous voulons rendre grâce à Dieu pour les baptêmes qui ont eu lieu hier. Qui a été baptisé hier? Est-ce qu'il y a un baptême? Est-ce qu'il y a un baptisé? Au moins un. Bon, mettez-vous debout, nous voulons bénir Dieu pour vous. Mettez-vous debout, allez, allez. Tous nos bien-aimés qui ont été baptisés, ce ne sont pas des annonces secrets. Oh, vous pouvez encourager Dieu pour eux. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Quelle grâce, quelle gloire. Gloire soit rendue à Dieu pour chaque âme baptisée. Vous voyez, ils sont tout beaux là. Ils ont donné leur vie à Jésus, c'est vrai. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quelqu'un dit, Yahweh, amen. Les amis, je vous redonne un bon rappel. Quand je dis, faut acclamer Dieu, faut acclamer Dieu. Moi, je ne vous suggère pas. C'est un commandement qui ne vient pas de moi, qui vient de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Quand on rend grâce à Dieu, on acclame Dieu. On n'est pas là autour de Dieu. Voilà comment toi, après tu as mal partout. Tu dis, Seigneur, guéris-moi. Tu n'es pas guéri. Tu dis, pasteur, le pasteur ne fera rien. Si tu désobéis à Dieu, ce n'est pas moi que tu vas obéir. Alors acclamons Dieu pour ce qu'il a fait. Acclamons Dieu pour ses œuvres. Donnons-lui gloire, donnons-lui louange, honneur, célébration, appréciation pour ses œuvres manifestes. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un dit amen. Voilà. Les gens, il faut toujours rappeler les mêmes choses. Le cœur de l'homme est quand même bizarre, hein? L'homme, il faut toujours te rappeler la même chose. Ah! Voilà pourquoi la Bible dit, ne te lasse pas de rappeler les mêmes choses. Surtout quand c'est des choses importantes. Les choses importantes, on ne les dit pas une fois. Les choses importantes, on les dit plusieurs fois. Afin que ça devienne naturel. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis amen. Amen. Donc nous serons jeudi avec les baptisés. Le Seigneur m'a mis à cœur de prendre un temps avec les baptisés. Le jeudi, autour d'un petit cocktail, on partagera un peu. J'ai été baptisé et après, je fais quoi? Voilà, voilà, c'est le thème de notre rencontre du jeudi à 18h avec tous les baptisés. Voilà, ils seront là, nous allons prendre un peu de temps de partage. Le temps passera vite, mais c'est juste pour comprendre, après le baptême, on fait quoi? Il y a beaucoup de choses à faire. Dis gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé, nous sommes toujours sur le thème de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dit amen. Et nous avons vu ensemble que, mon ami, ce thème-là est tellement important. Plus je suis dedans, plus je suis en train de me régaler. C'est-à-dire, à la maison, je suis seul, je suis en train de me... Je ne sors pas de chez moi. Je passe mon temps à méditer la parole. Il nous a dit qu'à la résurrection de Jésus, celui qui croit en Christ, il devient enfant de
Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset combien? Galates 3, pardon, verset 26. Et quand on est enfant de Dieu, on est aussi maintenant héritier. Quand on est héritier de Dieu, on a un héritage. Dis Amen. L'héritage, c'est quoi? Ce sont les droits, les privilèges, les possessions, les atouts, les grâces que Dieu nous a données. Dis un bon Amen. Dis avec moi, j'ai un héritage. Dis avec moi, je suis héritier de Dieu. Et donc, je ne suis plus n'importe qui. Non, mais tu as envie de dire, je ne suis plus n'importe qui. Oh. Nous avons vu ensemble que j'ai un héritage. Et mon héritage, il est glorieux. Mon héritage, il est fort, il est abondant, il est puissant. C'est-à-dire des droits, des possessions que Dieu m'a données, des privilèges que Dieu m'a donnés, des atouts que Dieu m'a donnés, des faveurs que Dieu m'a données. C'est tout cela mon héritage. Dis Amen et je continue. Et nous avons vu que l'héritage, Dieu l'a donné. Dieu l'a donné, c'est clair. Mais quand Dieu l'a donné, Dieu sait que quand il nous le donne, il nous faut maintenant aller le posséder, à le recevoir. Quand Dieu donne ton héritage, nous avons vu ensemble que ton héritage là, c'est clair, Dieu l'a déjà réglé. Dieu a donné, il a donné. Mais il y a une multitude de forces hostiles, invisibles, qu'on appelle les forces démoniaques, les forces de ténèbres, qui s'opposent à ton héritage. Il faut être très conscient que des gens s'opposent à ton héritage. Pas besoin de les voir. On ne les voit pas forcément. La plupart du temps, même, on ne les voit pas. Mais on ressent leur influence. Ce sont des entités démoniaques. Elles te détestent depuis le jour où tu es né et elles ne veulent pas que tu possèdes ton héritage. Si quelqu'un me suit, dit Amen et je continue. L'ennemi est déterminé à ne pas te laisser posséder ton héritage comme il était déterminé à ne pas laisser Israël rentrer en possession de son héritage. Voilà pourquoi nous avons dit que pour posséder l'héritage, il faut le conquérir. Et pour le conquérir, il faut engager la force. Si tu es trop mou, tu n'as aucun héritage. Tu vas chanter l'héritage, tu vas louer l'héritage, tu vas même dormir, mais tu n'auras rien. Ta vie ne sera pas comparable, ne sera pas identique, ne reflétera pas l'héritage que tu as reçu. Si on te dit qu'on t'a donné des milliards ou des biens quelque part, ne te contente pas de dire j'ai des biens. Non, va les chercher. Et pour cela, il faut les conquérir. Pour les conquérir, on engage la force. Si tu veux engager la force, donne un bon Amen. Il ne faut pas être un peureux. Il faut être un vaillant homme, une vaillante femme. Et quand Dieu dit, il a donné. Quelqu'un me dit Amen. Il t'a placé en Jésus, il t'a déjà tout donné. Je vous le répète tous les jours, Dieu ne fera plus rien. Dieu a déjà tout fait. Dans nos prières, même nos vies de prière doivent dépendre de la conscience de notre héritage. Or, la plupart du temps, nous prions comme si nous voulions remporter la victoire. On ne peut pas prier pour avoir la victoire. On prie pour revendiquer et pour être établi dans la victoire que Jésus nous a déjà donnée. On ne combat pas pour avoir une victoire. On combat au contraire pour dire, la victoire a déjà été acquise. Dégagez de mon héritage. Si quelqu'un me suit, donne un bon Amen. Déjà là, tu as compris que beaucoup de gens souffrent pour rien. On va aller combattre Satan pour avoir la victoire. Quelle victoire? On va aller arracher ce que le diable a volé pour avoir la victoire. Non, nous avons déjà la victoire. Nous nous appuyons sur le sang précieux de Jésus versé pour nous. Et nous engageons la force pour dire, à cause du sang versé par Jésus, on viendra toujours sur le sang. On est toujours établi sur le sang de Jésus. La vie chrétienne a pour fondation la croix de Jésus-Christ. Si tu ne connais pas l'œuvre de la croix, tu n'as pas d'héritage. Si tu ne connais pas ce que Jésus a accompli comme sacrifice par son sang, tu n'as pas d'héritage. Tu n'as que des belles paroles qui ne servent à rien. Tu te lèveras le matin en cherchant les démons qui t'ont agressé. Tu te coucheras le soir en pensant, en ayant la peur des démons. Quand on a un héritage, on n'a peur de rien. On s'appuie sur le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, le Christ versé pour moi, j'ai été délivré de toutes les formes de peur. Et quand la peur me voit ou te voit, elle doit dire, toi, je m'excuse, tu es trop conscient de ton héritage. Et quelqu'un me suit dit Amen. Il faut engager quoi? La force. J'aime ce mot-là. Là, c'est pour les conquérants. Il y en a quand tu leur dis la force, ils disent, oh, nous, on dit au contraire, on est là. Où sont les braves? Je suis la candidate. Si tu veux avoir un pasteur trouillard, il faut aller ailleurs. Il y en a beaucoup. Ils n'ont pas compris leur héritage. Il faut engager la force de l'intimité du Saint-Esprit.
de la communion du Saint-Esprit. Nous avons dit que la communion du Saint-Esprit, c'est une grande force. Les intimes de l'Esprit, ceux qui marchent en communion avec Dieu, sont des gens très forts. Très, très forts. Personne n'est fort s'il n'est pas un intime de Dieu. Tous les gens qui ont marqué leur génération avec Dieu, c'était des intimes de Dieu. Conversaient avec Dieu. Ils aimaient Dieu. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Nous avons vu la dernière fois qu'il y a une autre force très importante. Je reviendrai dessus. Hein. Je ne veux pas. Je vais te fatiguer jusqu'à ce que tu sois conscient qu'il faut engager la force. Et quel genre de force? Tu dois devenir un intime de Dieu. Tu dois devenir un ami de Dieu. Dieu doit devenir ton chouchou. Tu dois l'appeler mon lapin, mon papa, mon Dieu, ma cerise, mon bien-aimé, ma passion, ma forteresse, mon libérateur, mon amour, mon héros, ma bravoure, ma capacité. Tu dois parler à Dieu. Tu vois, les amoureux, quand ils se parlent entre eux, là, ils se disent des mots doux. Tu dois parler à papa. Ah, Seigneur. Vraiment. Mon travail, c'est de t'emmener pas à aimer moi, mais à aimer Dieu. Et à aimer Dieu de tout ton cœur. Oh, si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. Nous avons vu ensemble que l'autre héritage, plutôt une force qu'il faut engager, c'est la force de la méditation de la parole. Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu a dit à Josué qui était la génération des conquérants de l'Ancien Testament. La génération des quoi? Des conquérants. Dieu avait dit à Josué, tout le peuple d'Israël, Josué était le responsable. Donc quand Dieu parle à Josué, c'est à toi que Dieu parle. Dis un bon amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Autrement dit, répète constamment les paroles de Dieu. Ne répète pas tes paroles à toi, répète ses paroles à lui et on va constamment revenir dessus. Mais il y en a un autre secret et c'est sur ça que je suis en train de m'appuyer. Parce que le premier point, on reviendra dessus. Mais le premier point est lié au point suivant. Médite les paroles de Dieu. Médite les paroles de Dieu jour et nuit. Car si tu médites les paroles et tu agis fidèlement, tu obéis aux paroles que tu as méditées, alors tu auras du succès. Alors tu réussiras. La clé de la réussite, il a mis dans la méditation de la parole. Pas dans la lecture de la parole, mais dans la méditation de la parole. On a vu ensemble que méditer, c'est faire plus que lire. Méditer, c'est lire et ressasser. Faire repasser constamment ce que j'ai lu. Repasser, prendre le temps. Dis avec moi, prendre le temps. Méditer la parole, c'est demeurer dans la parole. C'est rester dans la parole. Ne pas lire comme si je faisais une compétition, une course. Non, mais je lis, je réfléchis. Je lis, je revois, je lis, je repens. Je lis, je suis en train de prier même en lisant. Je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Je reste, je demeure dans la parole. Je demeure dans un même thème, dans un même sujet. Je demeure. Et plus je demeure, plus la parole me remplit. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Et une des choses très importantes, la première raison, une des caractéristiques de la parole, pourquoi est-ce qu'il est important de méditer la parole? Parce que la parole, c'est la première, la plus grande force créatrice de tout l'univers. Nous avons dit quoi? Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Tu peux être allé à l'église tous les jours, ça ne veut rien dire. Si tu vas à l'église tous les jours, on chante, on danse, on prie. Mais il n'y a jamais la parole, mon ami, tu es en danger. Dieu ne fait rien sans sa parole. La voiture ne roule pas sans carburant. Même si elle est belle, même si elle est grande, même si elle a de gros trous, on s'en moque. La voiture ne roule pas sans carburant. Ton corps ne roule pas sans oxygène. Ton corps a besoin du souffle, de la respiration. Le jour, même si tu es Gaïa, tu as fait du sport, tu vas mourir. Tu as besoin de la parole. L'esprit a besoin de la parole. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole et par son esprit. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi Satan attaque beaucoup la parole. Et il met la paresse de la parole. Et c'est le plus grand piège dans lequel les gens tombent. La méditation de la parole. Ruminer la parole. Manger la parole. Mâcher la parole. On n'avale pas rapidement. On mange doucement la parole. On prend le temps de s'établir dans la parole. Il y a une puissance redoutable dans la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Rien n'a été fait sans la parole. Jean 1, verset 1, 2 plutôt.
Mais tout ce qui a été fait par la parole. Dans ta vie là, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux devenir? À quoi tu aspires? Tu rêves quoi? Tu veux quoi? Qui a des rêves ici? Qui a des projets? Rien de tes projets, rien de tes rêves, rien de tes envies ne se fera sans la parole de Dieu. Parce que toi tu es un homme, n'oublie pas. Et ce qui fait carburer l'homme, ce qui fait marcher un homme, c'est la parole de Dieu. L'homme ne se nourrit pas de pain. Quand on parle de l'homme, on parle de l'esprit. Il se nourrit de la parole de Dieu. De toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc tu dois les connaître. Dieu a des paroles dans tous les domaines. Dieu a des paroles pour nourrir chaque situation. Oh, quelqu'un me dit amen. La méditation de la parole, elle est tellement importante que c'est par la méditation de la parole que tu vas rencontrer Dieu. Un des grands avantages de la méditation de la parole, c'est que la méditation de la parole va te permettre de connaître le caractère de Dieu. Connaître la nature de Dieu. Beaucoup de gens aiment Dieu, comme Israël. Ils sont nés de nouveau, comme Israël. Enfin, marcher avec Dieu. Mais ils marchent avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ça t'est déjà arrivé de marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas? Même d'être marié. Beaucoup de gens sont mariés, ils ne se connaissent même pas. Beaucoup de gens travaillent ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas tout d'être ensemble, non. Quand on est ensemble, on doit apprendre à se connaître. Quand je te connais, je connais ton caractère. Je connais ta nature. Je connais même tes raisonnements. Quand on se connaît tellement bien, je sais même ce que tu penses avant que tu n'aies parlé. Pourquoi? C'est la force de la connaissance. Nous avons vu que la plus grande tragédie aujourd'hui, on l'a vu la semaine dernière, c'est que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens connaissent les hommes de Dieu. Sur Facebook. Mais ils ne connaissent pas le Dieu des hommes. Et c'est ça la plus grande tragédie de nos jours. On ne connaît pas Dieu. Mais on connaît à propos de Dieu. Dieu a fait ça. C'est bien de savoir que Dieu a fait, Dieu a fait. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire au travers de toi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en toi? Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un dit un bon amen. Et toi, Dieu m'a dit, mon peuple ne me connaît pas. Mais la bonne nouvelle, par la puissance de la méditation, ne néglige pas la méditation. Elle renferme une très grande puissance, très grande force. Les gens de la méditation, les gens qui méditent la parole, qui bénissent la parole, qui aiment la parole, c'est des gens très forts. Parce que la parole demeure en eux. La parole reste en eux et la parole les conduit. Et la méditation de la parole va t'emmener à connaître Dieu, c'est-à-dire sa nature, son caractère. Alors question 1, quelle est ta relation avec la parole? Et est-ce que la parole que tu médites t'a emmené à connaître Dieu? Le drame de l'église, on ne connaît pas Dieu. Et quand quelqu'un connaît Dieu, on l'insulte toujours pour rien. Mais lui, il connaît Dieu. Et c'est ce que je dis parce que Dieu me dit. Il me le dit dans l'intimité. Je ne fais que ce que Dieu me dit de faire. Toutes les fois que je me suis cassé la figure, parce que je n'ai pas écouté Dieu. Quelqu'un me dit amen. Alors nous avons commencé à poser la question la semaine dernière. Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Est-ce que tu as découvert Dieu par la méditation? Méditer va te permettre de rencontrer Dieu. Si tu as rencontré Dieu, alors tu vas comprendre des choses à propos de Dieu. Hein? Tu vas savoir que Dieu est amour. Dis amen. Dieu ne donne pas l'amour, Dieu est amour. Romains 5, verset 8, on l'a vu la semaine dernière, que Dieu a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand tu comprends ce passage, quand tu rencontres Dieu, Dieu te dit, je n'ai plus à te prouver que je t'aime. Je t'aime tellement. J'ai donné tout ce que j'avais de plus précieux. J'ai donné mon fils Jésus, le Christ, pour toi. Le Père m'a tellement aimé qu'il a donné son fils pour moi. Afin que toi, tes problèmes soient totalement réglés. Donc ne me dis pas que si tu m'aimes, pourquoi je souffre? Tu souffres à cause de ton ignorance. Parce que mon peuple, dit Dieu, il est détruit. Il périt à cause de son manque de connaissance. Mais connaissance de quoi? Pas de la science, pas de la philosophie. Non, connaissance de Dieu. La plus grande tragédie, c'est le manque de connaissance de Dieu. On l'a vu la semaine dernière. Dis amen et je continue. Il faut connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu connais son nature. Et à chaque fois que Dieu parle de son amour pour toi, pour nous, il dit Dieu a tellement aimé le monde. Ce n'est jamais que Dieu est amour, non, c'est toujours Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a prouvé son amour. Dans Éphésiens 2, verset 4, il est écrit, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour. Dis avec moi, son grand amour. Ce n'est pas l'amour, hein? Non. Son grand amour. Ça veut dire que Dieu aime tellement moi. Il t'aime tellement.
que ton esprit soit éclairé. Parce que Dieu t'aime tellement. Et dans Jean 17, il nous dit, Jésus dit, comme moi tu m'aimes, tu les as aimés de la même manière. Donc quand le Père regarde toi et regarde Jésus, il nous aime de la même manière. Waouh! Waouh! J'ai découvert ça comment? En méditant la parole. Pas en lisant la Bible, non! J'étais en train de méditer sur l'amour de Dieu. Je suis tombé sur l'amour de Dieu et je suis tombé amoureux de Dieu. Je suis tombé épris de ses charmes. Hey, j'ai dit papa. Hey, le matin, je me lève, j'ai dit papa. Hey, my papa, my daddy, my God. J'ai dit, hey, toi là, je t'aime trop quoi. Ah, papa. Je sais que ce n'est pas encore le niveau que tu attends. Mais papa, au point où j'en suis, permets-moi quand même de te dire que je t'aime quand même quoi. Oui, ce n'est pas encore ça. Mais aujourd'hui là, avant que je ne monte dans la gloire, un jour te rejoindre, je suis encore sur la terre. Papa, aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait. Je veux te dire que je t'aime. Parce que tu sais quoi? C'est comme ça que je prie. J'ai dit, tu sais quoi? En tout cas, moi, je t'aime quand même, quoi. Vraiment, je ne suis pas encore... J'ai encore beaucoup de challenges, beaucoup de défauts. Mais je dois quand même te dire que... Toi, tu es... Non, tu es digne d'être aimé. Je t'aime quand même parce que tu es mon papa. Je te loue de ce que tu m'as aimé le premier. Je t'aime parce que tu m'as aimé. C'est toi qui m'as rendu capable de t'aimer parce que tu es mon papa. Je dis, ah, toi, tu es trop bon. Yeah! Et je crie tout seul. Donc, toi, est-ce que tu fais ça? Hein? Toi, tu fais ça? Oh, éternel, éternel, tu transpires. Éternel, éternel. Tais-toi d'abord. Papa, il m'aime. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Quand on médite la parole, on se rend compte que Dieu est rempli d'amour. Dieu est un Père qui aime. Et qui aime tellement. Et Satan fait tout pour te faire croire le contraire. Le diable est un menteur. Même quand il a dit une vérité, il a menti. Dieu ne ment jamais. Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Il est débordant d'amour pour toi. Son cœur ne manifeste que de l'amour. Ma soeur, Dieu n'est pas en colère parce que tu as péché. Dieu, il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu pèches. Parce que le péché te sépare de lui et permet à Satan de t'affliger. Mon enfant, repens-toi. As-tu péché? Repends-toi. Pourquoi? Parce que papa t'aime. Il ne veut pas te voir souffrir. Est-ce que tu frappes un enfant? Tu jettes un enfant parce qu'il a cassé un verre? Abundoki. Chut! Quelle faute as-tu fait? Toutes les fautes que tu as faites, tous les péchés que tu peux commettre aujourd'hui. Écoute, ce n'est pas pour t'encourager à aller pécher, au contraire. C'est pour te dire qu'il t'aime tellement. Non seulement il a versé le sang de son fils pour tes péchés, mais il t'a donné son esprit lui-même pour te rendre capable de ne plus pécher parce qu'il t'aime tellement. Waouh! Est-ce que tu as découvert cet amour? Ce côté Dieu est amour? Dieu est grandement amour? Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen pour notre Dieu et notre Père. Il nous a aimés d'un grand amour à cause de son grand amour dont il nous a aimés. His great love. C'est comme ça que Dieu est. Dis amen et je continue. Amen. On trouve cela pas en lisant la Bible, en méditant la parole, en méditant sur l'amour de Dieu. J'ai aussi pris le temps de méditer sur la bonté de Dieu. J'ai découvert que l'Éternel est bon, que Dieu est bon. Et je vais vous faire une confidence. Le Seigneur me disait encore il y a quelques jours, ceux qui ont découvert ma bonté, ce ne sont pas les gens qui vivent de bonnes vies. Ce sont des gens qui ont... La plupart du temps, on découvre la bonté de Dieu dans les déserts. On le découvre. Et c'est facile, hein? Quand tout va bien, de dire Seigneur, je t'aime parce que tu vas bien. Oh, j'ai des beaux talons, je t'aime. J'ai un bon fond de teint, je t'aime parce que j'ai des bijoux, je t'aime parce que j'ai des voitures. Mais le psalmiste a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps, dans toutes les saisons. Dans les bonnes saisons comme dans les mauvaises saisons. J'ai découvert personnellement ce qui m'a aidé à ce qui m'a. Là où j'ai appris à rencontrer le Dieu d'amour. Le Dieu de bonté, c'était dans les plus grandes saisons de galère de ma vie. Et dans les saisons de galère, il y aura deux choses. Soit tu vas t'attacher à Dieu, parce que tu vas le rencontrer, soit tu vas abandonner Dieu. Beaucoup de gens abandonnent Dieu. Ça fait longtemps que je cherche le travail, je n'ai pas le travail. J'ai rencontré Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, alors je n'avais pas de travail. Et c'est là que j'avais appris à m'attacher à la fidélité de Dieu, à la bonté de Dieu. Moi, je n'ai pas dit que Dieu est bon parce que j'avais du travail, c'est faux. Pendant 2 ans, ingénieur, polytechnicien, diplômé hautement, galérien de galérien. C'est dans ces 2 années de misère et de galère que
que j'ai découvert la bonté de Dieu. Et je parlais de la bonté de Dieu. Oh, toi, tu veux parler de la bonté de Dieu seulement quand tout va bien. Moi, je parlais de la bonté de Dieu quand tout allait mal. Et je célébrais sa bonté en pleurant parce que tout allait mal. Mais je m'attachais à sa fidélité. Mais toi, tu viens m'insulter. Je dis pour dire, lui là, il est comme ça. Tu étais où quand je galérais? Tu étais où quand je passais par la vallée de l'ombre de la mort? Tu étais où quand je... Il y en a qui viennent seulement à la fin du film. Il y a la fin du film. Ah, le film est déjà fini. Ah, j'ai pas vu le film. Tais-toi alors. Critiquer les gens, vous connaissez même pas leur histoire. Vous connaissez pas leur vécu. Vous connaissez pas les moments où ils ont rencontré Dieu. Ou le Dieu de bonté. J'ai commencé à chanter l'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel. Dans la galère. Dans le désert. Dans le désespoir. Quand rien ne marchait. C'est là qu'on a appris. Je chante ta bonté. L'éternel est bon. L'éternel est bon. C'est là, c'est là. C'est pas quand tout va bien. Nage mon salat. Non. C'est quand il n'y a rien. C'est là qu'on découvre Dieu. Notre génération, vous voulez seulement. Ça va pas bien, ça va pas bien. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Tu n'as pas rencontré Dieu. Parce que tu n'as pas médité la bonté de Dieu. Tu lis la Bible de méditer la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est bon. Il est plein de miséricorde. Il est plein d'attention. Il y a quelque chose qui est plus fort que la vie. Dieu donne la vie à toute créature. Aux plantes, aux arbres, aux montagnes, aux collines, aux matières premières. Dieu donne la vie. Le bois vit, tout vit. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que la vie. Psaume 63, verset 3. C'est quoi? La bonté de Dieu. Autrement dit, au-delà de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut imaginer, j'ai découvert que l'Éternel est bon. Il est digne de louange. Le mot bon veut dire compatissant. Le mot bon veut dire aussi miséricordieux. Le mot bon veut aussi dire plein de grâce. Et il te sourit même quand tu ne mérites pas qu'on te sourie. Il t'aime même quand tu ne mérites pas d'être aimé. Il te... Oh... L'Éternel est bon. Mais ça on le trouve comment? Dans la méditation. C'est le pouvoir de la méditation. Parce que quand tu sais que Dieu est bon et que Dieu est amour, tu pourras marcher avec Dieu sans problème. Si je parlais à quelqu'un, dis un bon amen. Si c'est à toi que je pardonne, un bon amen. Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Par quoi tu passes? Depuis combien de temps ça dure? Ce qui va te permettre de tenir, c'est la découverte. À quel point Dieu est bon. Sentez, voyez, goûtez combien l'Éternel est bon. Est-ce que tu as senti combien Dieu est bon? Dans les moments de décès, de tragédie. Le jour où on m'a dit, ton père est mort. Je dis, ah! Je me sentais meurtri. J'ai commencé à chanter la bonté de Dieu. Et je pleurais de douleur. Mais je chantais la bonté de Dieu. Mon frère, que Dieu t'accorde la grâce de découvrir son caractère, sa nature, sa personnalité. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne connais pas Dieu. Beaucoup essaient de marcher, mais dès qu'il y a un problème, il tombe. Tu t'es déjà assis pendant des jours, pendant des heures à proclamer la bonté de Dieu sur ta vie. Tu l'as déjà fait? Je dis, ça va mal. Justement, quand ça va mal, c'est là qu'il faut demeurer dans la parole. Le drame, c'est quand ça va mal, et puis tu quittes la présence de Dieu. Non! Demeure dans sa présence. Médite sa parole. Autrement dit, ressource-toi. Nourris-toi. Raffermis-toi dans sa parole. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Et je continue. Quand tu médites la parole de Dieu, je te parle juste de quelques traits de caractère qu'on rencontre de Dieu quand on sonde, quand on médite la parole. Quand on repasse la parole dans son cœur, on se rend compte que Dieu est un Dieu qui est juste. Ah oui, mon ami, Dieu est juste. Dis-moi, Dieu est juste. Il dit dans Ésaïe 45, verset 21, il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste, le seul Dieu qui sauve. Dans le psaume 84, verset 14, il est écrit que la justice et le droit, c'est-à-dire les lois, la justice et le droit, sont la base ou encore la fondation ou encore le fondement de son trône. C'est quoi? La justice et le droit sont la fondation du trône de Dieu. Il y a deux piliers, il y a deux socles solides par lesquels Dieu dirige. C'est ce qui est juste et c'est les lois qu'il a établies. Sa justice et les lois qu'il a établies. Dieu est juste. Dieu est juste.
Quelqu'un me dit amen. C'est sa nature. Autrement dit, vis-à-vis de toi, ne dis jamais que Dieu est injuste. Il n'a pas fait comme je pensais. Non, tu ne connais pas la nature de Dieu. Dieu est juste. Il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi? Parce qu'il est juste. Il a dit qu'il punit les fautes des enfants, les fautes des parents sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. C'est parce qu'il est juste. Il faut qu'il sanctionne le péché. Voilà pourquoi il a frappé son fils pour toi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Dieu est juste. C'est sa nature. Il ne changera pas. Job pensait que Dieu était injuste parce que je souffre. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Oh, moi, je n'ai rien fait. Dieu lui a montré que hey, je suis juste. Tu as eu ce que tu méritais. Tu as eu ce que tu récoltais. Tes pensées étaient remplies de peur. Et tu as attiré la peur parce que tu parlais constamment le langage de la peur. Job, je ne suis pour rien. C'est ta peur qui t'a détruit. Ce n'est pas moi. Je suis le Dieu juste. On le découvre, le Dieu juste, dans la méditation de sa parole. Ce sont les avantages. La méditation de la parole va faire de toi quelqu'un de très fort. Dans les prochaines semaines, tu vas commencer à prendre des livres et à engager la force de la méditation. Tu dois aimer la parole. Tu dois chérir la parole. Tu vas commencer à passer des heures pour t'enfermer. Non pas aller voir les amis, mais juste à lire. Des livres oints qui te parlent d'un thème précis. Oh, dis amen. Tout cela dans le but de connaître mieux le caractère, la nature, la personnalité de Dieu. Quelqu'un dit amen. Un autre trait de caractère qui concerne Dieu, c'est un trait de caractère qui est très, très important, que beaucoup ne comprennent pas. Il le révèle dans le psaume 33, verset 9. On a déjà vu ce passage plusieurs fois. Quand tu marches avec Dieu, il faut connaître comment Dieu fonctionne. Voilà comment Dieu fonctionne. Ça, c'est lui qui se révèle. Écoute. Il parle, c'est-à-dire, il dit une chose. Il parle. Et ce qu'il a dit, la chose arrive. Il commande, il ordonne. Et la chose, elle vient à l'existence. Qui? Dieu. Il parle, il dit une chose. La chose arrive. Donc, tout ce que Dieu dit arrive. C'est sa nature. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu fidèle. Tout ce qu'il dit arrive. Et quand la chose qu'il parle n'existe pas encore, alors il commande. Et quand il ordonne, la chose qui n'existait pas encore se met à exister. Autrement dit, fais attention à ses paroles. Parce que par sa parole, il a créé le monde. Que la lumière soit, la lumière fut. Il a parlé, la lumière a obéi. La lumière n'avait pas le choix. Elle ne peut pas dire, je m'habille, je vais venir. Soleil, lève-toi. Le soleil doit se lever. Il parle, la chose arrive. Et si la chose n'existe pas, il ordonne et elle vient à manifestation. Quel est ce genre de partenaire? Moi, j'aimerais tellement avoir pour ami ce genre de personne. Quand il dit quelque chose, la chose est là. Quand elle n'existe pas du tout, alors elle est créée. Quand l'homme n'existe... Oh, il faut connaître Dieu. C'est quelqu'un qui est intègre dans ses paroles. Dis-moi amen. Autrement dit, Dieu accorde de l'importance à ses paroles. Est-ce que toi, tu accordes de la même importance à ses paroles? Parce que lui, il est fidèle à ses paroles. Parce qu'il est la parole. Donc Dieu n'est pas comme toi et moi. Dieu ne parle pas pour rien. Quand il dit quelque chose, la chose va arriver. Si elle n'existe pas, elle va arriver à l'existence. Mais quand il a dit, tu dois croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne crois pas, ce qu'il a dit ne se manifestera pas. Et tu vas dire, mais Dieu avait parlé. Non, quand il a parlé, tu dois croire. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 12. Jérémie, écoute-moi bien. Les choses semblent impossibles, mais moi, dit Dieu, je veille toujours sur ma parole pour l'accomplir. Tu entends? Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Quelque chose qu'il dit, il surveille ce qu'il a dit. Et sa parole s'accomplit toujours en un temps donné. Il avait dit, la Vierge sera enceinte. Marie, tu as cru, non? Tu as reçu, tu as cru. Elle dit, Marie dit, qui est fou? Elle dit, Gabriel, je suis vierge. Je ne vois pas comment je peux enfanter. Mais comme tu as été envoyé pour dire ces paroles, qu'il me soit fait selon ces paroles.
Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Pourquoi il te dit ça? Que tu comprennes sa nature, c'est son caractère. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Toi, il y a des gens, toi-même, tu connais des gens. Il te dit, va me prendre 1 milliard à la banque. Toi-même, tu sais qu'il n'a même pas 10 francs. C'est un menteur. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que Dieu dit, Dieu l'a dit, il le manifeste, il amènera à manifestation. Est-ce que Dieu a dit quelque chose dans sa parole pour toi? Les paroles de Dieu se trouvent dans sa parole. Est-ce que tu as vu, tu es en train de méditer, puis tu as vu une parole pour toi? Tu entends des enseignements dimanche après dimanche. Est-ce que tu es conscient que la parole a été sortie pour toi? Tout ce que Dieu a dit à ton sujet, mon ami, il a dit, la chose elle arrive. Et quand elle n'existait pas, la chose va venir à manifestation. Quand il dit en lui, en Jésus, par son sang, nous avons la délivrance. Mon frère, ma soeur, cette parole doit pénétrer ton esprit, pénétrer ton esprit. Elle doit saturer ton esprit. Ne passe pas trop vite, reste là. En lui, en Christ, qui a versé son sang pour moi. Par ce sang qu'il a versé, j'ai la délivrance, j'ai la libération, j'ai la guérison. Son sang. Tu restes là. Tu médites ça. Tu t'arrêtes. Et puis tu vois ton corps est malade. Tu vois les oppressions dans ton corps. Tu sens ton corps être oppressé. Mais tu te rappelles, tu dis en lui, par son sang, j'ai la délivrance de toutes les formes de captivité satanique. Par son sang, tu penses à ce qu'il a souffert. Tu penses à ce qu'il a enduré. Tu regardes Satan. Il est en train de t'oppresser. Tu regardes ta vie. Elle est bloquée. Tu dis, mais en lui, par son sang, j'ai la délivrance. Mon ami. Là, ce n'est plus haut, le pasteur a dit. C'est qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? Est-ce que tu es demeuré assez longtemps dans cette parole pour l'entendre? Tu dis, Dieu a dit qu'en lui, par son sang, j'ai la délivrance. Alors qui va m'oppresser? Là maintenant, Satan dit, voilà pourquoi Satan fait tout pour pas que tu médites la parole. Parce qu'il sait que quand tu vas commencer à méditer la parole, elle va te pénétrer. Quand elle va te pénétrer, tu vas être comme quelqu'un qui a tellement mangé que ton estomac maintenant est très gros. C'est là que la parole est établie en toi. C'est là que tu peux maintenant commencer à dire, qui est fou? Qui a osé m'oppresser? Diable! Tu parles comme ça à qui? Tu dis non, je ne suis plus la même personne. Quelque chose s'est passé en toi. La méditation a conduit à la révélation. Quand il y a la révélation, mon ami, ça veut dire qu'il y a la foi. Et quand il y a la foi, il y a le miracle. Aucune oppression ne peut demeurer quand tu as compris par la méditation et tu as été dans la révélation. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Mais c'est parce que tu sais que Dieu dit une chose et la chose arrive. Mais comment elle arrive? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Est-ce que tu entends ce que Dieu dit ce matin? Il veille sur sa parole. Tu marches avec Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu fidèle qui veille sur sa parole pour accomplir sa parole? Amen. Aidez-moi. Il t'a dit de demander de l'aide à tout le monde. Il t'a dit de t'attacher à lui. Tu n'as pas rencontré Dieu. Tu es en train de dire, aidez-moi. Je cherche le travail, aidez-moi. Tu ne connais même pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Quand quelqu'un passe en toi, aller demander de l'aide à tout le monde, il n'a pas rencontré Dieu. Quand on a rencontré Dieu, on a rencontré le calme. La source de la tranquillité. La source du repos. Parce que je sais qu'il m'aime tellement. Et mes intérêts, il les prend à cœur. Il t'aime plus que ton père et ta mère peuvent t'aimer. Il t'aime même plus que toi-même, tu peux t'aimer. Comment je le sais? Je l'ai rencontré, ce Dieu-là. Mais la tragédie, même pasteur ne connaît pas Dieu. On peut parler de quelqu'un tous les jours. Les amis, on peut parler de Dieu sans connaître Dieu.
On peut parler de quelqu'un sans le connaître. On a entendu parler qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est bien. Mais, excusez-moi, en toute humilité, je parle d'un Père que j'ai rencontré. Je parle d'un Dieu que je chéris de tout mon cœur. Il veille sur sa parole. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit, sois inquiet? Quand il te dit, ne vous inquiétez de rien. Faites seulement connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Qui a dit ça? Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Prends cette parole. Va devant lui, tu dis, Père, j'ai un challenge, tu le sais déjà. Bon, je choisis de ne pas t'exposer mes challenges. Tu les connais déjà. Moi, je veux prier pour porter d'abord tes fardeaux. Je commence à prier pour le Congo. Je commence à prier pour le salut des âmes. Je commence à prier pour l'affermissement des âmes. Il te dit, ah, toi, tu as connu, tu as compris mon principe. Tu as compris qu'il faut d'abord chercher les intérêts du royaume et tout le reste sera donné en plus. Alors, pendant que tu es en train de prier pour les intérêts du royaume, tu as des problèmes, hein? Mais tu oublies tes problèmes. Tu obéis à sa parole. Tu mets ses intérêts en premier. Il dit, toi, tu as compris. C'est comme ça que Dieu te fait grâce. Même quand tu n'as pas demandé grâce, il te fait grâce. Ah, que cette grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Retiens, ce qu'il dit arrive. S'il a dit que par son sang, tu es délivré. Pas besoin que je t'impose les mains. Par son sang, tu es guéri. Maintenant, tu crois. Ça se passe quand? Maintenant. C'est le pouvoir de la foi. Quand quelqu'un croit, il n'y a aucun démon le plus puissant ne peut tenir là où un cœur est rempli de foi. Parce que c'est lui qui a dit que toute chose est possible à celui qui a la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Mais il faut méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la réponse à toutes les transpirations de ta vie. Toutes les frustrations de ta vie ont leur réponse dans la parole. Aime la parole. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es en train de recevoir quelque chose ce matin? Si c'est à toi que je parle, fais entendre un meilleur amen. Quand on médite la parole de Dieu, non seulement on se rend compte que Dieu est fidèle et puissant, il dit ce qu'il dit devient réalité. Ne t'inquiète pas pour tout ce que Dieu a dit à ton sujet. Oh, mais ça n'existe pas. Ne t'inquiète pas. Ça va être créé à cause de toi. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Mais quand Dieu a parlé, si tu ne crois pas, la parole de Dieu ne s'accomplira jamais. Voilà pourquoi avec Dieu, il faut être comme un enfant. Comme un petit enfant. Papa a dit, ah, moi je crois. Papa a dit, je dis amen. Je ne sais pas comment, mais je dis amen. Qu'il me soit fait selon ses paroles. Parce que lui, il veille sur ses paroles pour les accomplir. Est-ce que je peux continuer? Une autre chose qu'on découvre, un autre caractère, une nature de Dieu qu'on découvre quand on médite la parole de Dieu. Vous voyez, on a beaucoup parlé des noms de Dieu, mais les gens parlent, oh Jéhovah machin, Jéhovah machin. Non, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Le drame, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Est-ce que je peux continuer? Quand on médite la parole de Dieu depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, on découvre, ça je vous parle de mon expérience. En fait, j'ai retenu des points que moi personnellement Dieu m'a parlé. On peut entendre parler de Dieu puis rencontrer le Dieu dont on a entendu parler. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Ça veut dire maintenant j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris. J'entendais, maintenant je comprends ce que j'entendais. C'est ce qui est en train de t'arriver ce matin. C'est ce qui est en train de t'arriver ce matin. Tu sortiras d'ici sans inquiétude. Tu vas te rentrer avec beaucoup de questions. Tu sortiras en paix. Si je parle à quelqu'un, donne un bon amen. Il y avait un homme qu'on appelait Abraham. On l'appelait Abraham. Et sa femme s'appelait Sarai. Dieu l'a fait sortir de Ur, en Chaldée, en Mésopotamie, à l'âge de 75 ans. À un âge déjà très avancé. Le gars n'avait pas d'enfant. Sa femme n'avait pas non plus d'enfant. Et la Bible dit que Dieu les a conduits. Il les a conduits. Il lui a fait une promesse. Il a dit, Abraham, sors, je ferai de toi une grande nation, une nation puissante, un peuple nombreux. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Viens, suis-moi. Abraham est sorti de Ur en Chaldée. Il a suivi quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais il devait apprendre à marcher avec Dieu.
Dieu veut t'apprendre à marcher avec lui. Et quand il t'apprend à marcher avec lui, il va se révéler à toi, 16 ans après 16 ans, d'une manière et d'une autre. Dieu ne peut pas se révéler seulement d'une seule manière. Il est trop infiniment varié. Donc il va t'apprendre à le connaître de multitudes de manières. Abraham a marché avec Dieu. Abraham attendait son enfant. Tous les jours, Dieu vient lui parler, dit, je vais faire ça, tu vas voir, tes enfants seront nombreux. Mais le gars, il dit, mais j'ai pas d'enfant encore. Mais tu as beaucoup d'enfants, regarde les étoiles comptent. Il dit, ah, tout ça là, c'est pour moi. Ouais. Et puis un jour, le temps passe, 24 ans plus tard, 24, mon ami, 24, pas 2 ans, 24 ans. Un jour, Abraham a tellement attendu. Maintenant, Abraham a aussi fait maintenant un enfant à côté. L'enfant avec Agar, la servante de sa femme. L'enfant maintenant crée des problèmes. La bénédiction de Dieu, elle ne crée aucun chagrin. Mais ce que toi, tu vas prendre de force là, t'emmène beaucoup de problèmes et de chagrin. Quelqu'un y aille. Abraham est en train de s'attendre à Dieu. Et puis un jour, Dieu apparaît à Abraham. Abraham est fatigué. Mais Abraham espère toujours en Dieu. Le problème, c'est que dans cette situation-là, Abraham n'a plus d'espoir. Il a 99 ans, sa femme a 75 ans presque, plutôt sa femme a pratiquement 80 ans bientôt, et 90 ans, pardon, bientôt, et il n'y a plus d'espoir. Abraham est arrivé à un stade. Dieu a attendu qu'il arrive à un stade où sa capacité ne peut plus rien faire, où il ne peut plus rien faire. Dieu a permis à Abraham d'arriver à un niveau où toutes les capacités d'Abraham ne sont devenues que faiblesse. Hier, le type était plein de vigueur pour avoir des enfants. Mais maintenant, il n'y a plus d'espoir. Il ne peut plus. Il n'y a plus moyen. Il n'a plus aucune ressource. Quand on regarde son corps, il dit, mais moi, mon âge, 100 ans presque, je vais encore avoir un enfant. C'est impossible. Et elle, là, même si je voulais, là, je n'ai même plus de désir aussi. On regarde, on se regarde, on s'aime, mais on ne se désire pas. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Abraham est arrivé au seuil maximum de ses limites, il n'a plus de capacité. Abraham est faible. Il sait que là, il n'y a plus rien à faire. Là, il n'y a plus d'espoir. Si c'est que lui-même là, il sait qu'il n'y a plus d'espoir. Parfois, Dieu attend que tu fasses tes efforts, tes efforts, tes efforts, tes efforts, jusqu'à ce que tu aies tellement épuisé tes efforts que quand tu as joué toutes tes cartes, il n'y a plus de possibilité. C'est là que Dieu maintenant vient. Il rentre dans la vie de Abraham. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Amen. Fais beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Pas de résultat. Beaucoup d'efforts, pas de résultat. Et Dieu permet, parce qu'il veut se révéler à toi d'une autre manière. Et il permet que là où tu es là, tu ne sais plus ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, sur qui il faut t'appuyer. Tu es faible. C'est là que Dieu maintenant intervient. Dans Genèse 17, au verset 1. Abraham était âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. C'est pas encore Abraham, hein? Non, c'est encore Abraham. Le gars qui n'a que de l'espoir, mais il n'a pas d'enfant. Et 100 ans presque, c'est trop tard. Et il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois parfait, sois intègre. Je suis le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant, c'est un mot qu'on a traduit en français par tout-puissant, mais ce mot-là veut en réalité dire « Je suis le Dieu tout-suffisant ». On l'appelle El Shaddai. Les gens parlent de El Shaddai, El Shaddai. Non, arrête. Je suis le Dieu qui est tout-suffisant. Le Dieu tout-suffisant, c'est-à-dire celui pour qui rien n'est trop difficile. Le Dieu tout-suffisant, c'est celui pour qui, quand je l'ai, je suis pleinement satisfait. Lui, il me suffit. Abraham connaissait Dieu comme El-Rohim, le Dieu puissant, créateur, qui règne avec éclat. Abraham ne connaissait pas Dieu comme étant El-Shaddai, celui qui est suffisant. Suffisant pour pouvoir à tous mes problèmes. Dans mes faiblesses, je ne peux plus. Il dit justement, je suis tout ce qu'il te faut. Je suis tout ce dont tu as besoin. Abraham, marche devant moi et sois intègre devant moi. Parce que je veux me révéler à toi d'une autre manière que tu n'as jamais connue. Dans les situations où tu as trop de faiblesses, où tes faiblesses, tes incapacités maintenant sont évidentes, Dieu dit ne t'inquiète pas, ce n'est plus un problème, je suis le Dieu tout suffisant. Est-ce que tu as rencontré le Dieu suffisant? Le Dieu qui est tout suffisant. Celui dont tu as pleinement besoin. Et quand tu l'as, tu n'as besoin de rien d'autre que lui
et lui seul. Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que tu l'as rencontré? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent pour beaucoup de gens. Non! L'âge avance. Non! L'âge n'est pas un problème. Est-ce que tu as rencontré le Dieu tout suffisant? Oh! Si quelqu'un me suit, donne un bon amen. Quand il se révèle comme étant le Dieu tout suffisant, il fait deux choses, trois choses. Il donne, il dit alliance à Abraham. Maintenant, toi et moi, on établit une nouvelle alliance. Établie sur le sang. C'est là qu'il introduit la circoncision. Alliance dans le sang et la fondation. Il dit amen. Deux choses. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Mais on va maintenant t'appeler Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude. Sarah, on ne l'appellera plus Sarai. On l'appellera maintenant Sarah. Mère d'une multitude d'enfants. Tu as compris? Waouh! Tout cela, il vient de rencontrer El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Suffisant pour pourvoir à mes besoins. Suffisant pour me soutenir. Il est ma capacité. Il est mon aide. Il est mon secours. Quand je suis faible, il est celui qui me rend fort. On l'appelle le Dieu tout suffisant. Beaucoup marchent avec Dieu, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas rencontré le Dieu qui est tout suffisant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui pour qui rien n'est trop difficile, rien n'est trop compliqué. Il n'y a pas de problème qu'il ne puisse pas faire. C'est pourquoi on l'appelle El Shaddai. C'est bien de marcher avec Dieu, mais c'est bon de le rencontrer. Parce que quand tu sais que lui, il est le Dieu tout suffisant. Un jour, Paul, en parenthèse, tous les noms de El Shaddai, El Gibor, El Roi, El Olion et Jéhovah, tous ces noms ont été rassemblés dans un seul nom. Jésus le Christ, Yehoshua Mashiach, tous ces noms. Un jour, Paul est en train de prier dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Paul était en train de prier avec une situation compliquée qui le fatiguait. Il dit, une écharpe dans la chair m'a été donnée, m'a été infligée à cause de l'excellence des révélations que j'ai. Il dit, mais j'ai prié le Seigneur trois fois de m'enlever cette oppression, de m'enlever cette écharde. Et le Seigneur a dit à Paul, 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 ne prie plus pour ce sujet-là. Ne prie pas pour ce sujet. Ma grâce est suffisante pour toi. Tu entends? Ma grâce, elle est suffisante pour toi. Est-ce que tu connais la grâce de Dieu? Oh, la grâce. Est-ce que tu connais la grâce? Les gens parlent de la grâce, oh la grâce, par la grâce. Tu connais la grâce? Tu as compris la puissance de la grâce? Tout le monde parle, hein? Par la grâce. Arrêtez! On ne connaît pas Dieu, on dit des choses sans connaître Dieu. Il dit, ma grâce te suffit. Ah, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. N'essaie pas d'être fort, Paul. Compte sur ma capacité dans ta faiblesse. Et puis Paul dit, ah bon? Donc tu veux dire que quand je suis trop faible comme ça là, ça ne te dérange pas? Il dit, c'est là que ma grâce abonde. Plus tu es faible, plus ma grâce abonde. Plus tu es faible, plus on te dit que tu es faible, plus ma capacité abonde. Quand tu es faible, ce n'est plus un problème. C'est là que la capacité de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi il dit, alors, je veux me glorifier, je veux mettre ma fierté dans mes faiblesses désormais. Il dit, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Tu entends? Pour que la puissance de Dieu repose sur quelqu'un, il faut accepter de paraître faible. Il faut accepter d'être faible. Le problème, c'est que toi, tu veux toujours être fort. Non, mon ami, il faut apprendre à mourir. Parce que les morts sont faibles. Et ils disparaissent. Et ils s'effacent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah! Et alors maintenant, au verset 10, dans 2 Corinthiens 12, il dit, c'est pourquoi je prends plaisir. Oh, je mets mon plaisir. Je mets ma fierté dans les faiblesses, dans les outrages. Donne-moi la version seconde 21. Parce que beaucoup ne comprennent pas c'est quoi outrage. Voilà. Là, moi, tu comprends. Koufinga. Dans les insultes. Il dit, je prends plaisir dans les insultes, hein? dans les faiblesses, dans les détresses, c'est-à-dire les souffrances, dans les persécutions, dans les accusations, dans les trahisons, dans les rejets. Je prends plaisir
Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais je ne suis pas fort par moi-même. Je suis fort par sa force. Il me rend fort. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Paul avait rencontré El Shaddai, le Dieu suffisant. Paul, laisse tomber tes faiblesses. Tes faiblesses ne sont pas un handicap. Tes faiblesses sont pour moi un moyen de manifester ma gloire et ma capacité. On l'appelle le Dieu tout suffisant. Beaucoup marchent avec Dieu, n'ont jamais rencontré le Dieu tout suffisant. Voilà pourquoi tu t'inquiètes parce que l'âge avance. Tu t'inquiètes parce qu'il n'y a pas de travail. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? C'est lui qu'on appelle El Shaddai. Quand Dieu te dit quoi? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Regarde en Genèse 18, au verset 14, je termine. Lorsque il a dit à Abraham, je change ton prénom, je change le prénom de ta femme et je fais une alliance avec toi. Et à la même année, l'année prochaine, Sarah sera enceinte. Sarah sera totalement enceinte. Ma parole s'accomplira. Alors, là, il est dit, et quand Abraham a dit, ah, à mon âge, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dans la version de Darby, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour l'Éternel? Est-ce que le bras de l'Éternel est-il trop court pour soutenir, pour secourir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour Dieu? La réponse, non. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Mais est-ce que tu le crois? Il parle, la chose arrive. Il ordonne, la chose vient à l'existence. Comment il va faire? Ce n'est pas ton problème. Crois seulement. Crois seulement. Sèche tes larmes. Sèche les larmes. Bannis l'inquiétude. Arrête de compter sur les autres. Il est ta satisfaction. Il est Christ et tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi Colossiens 2, verset 10 nous dit, en Christ, nous avons tout pleinement. Parce qu'il est tout ce dont tu as besoin. Christ est la vie recherchée de mon âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Christ, il est tout. Et toi, tu essaies de te balader à gauche, à droite, aidez-moi. Christ est la vie recherchée de mon âme. C'est lui, ma satisfaction. Vous avez tout, pleinement. Ailleurs, dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui habite en moi. Qui? Christ. Je puis toutes choses par celui qui me rend fort. On l'appelle comment? Christ. Mon ami, en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dieu a tout mis en Christ. Il est tout. El Shaddai. L'Éternel, mon berger, l'Éternel qui est fidèle, El Rohim, le Créateur, le Tout-Puissant, le Juste, le Saint, le Messie, l'Éternel des armées. Dieu a tout renfermé dans un seul nom, Christ, Yeshua. Mon ami, tu cherches quoi? Il faut que tu médites la parole. En méditant la parole, tu vas rencontrer ce Dieu qui s'est révélé par son Fils. Jésus est le Christ. Ah, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Tu as des problèmes de conception. Il est le Dieu Tout-Suffisant. Quand il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Suffisant, ça veut dire, ne cherche pas de solution ailleurs. Cherche-moi. Rencontre-moi. Et je manifesterai ma gloire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin?